Je pense qu'on a une nouvelle expérience de la démocratie et donc on est dans cette dynamique-là où finalement on a des plateformes, des outils ou des solutions qui vont permettre un nouveau dialogue entre des structures gouvernementales et les citoyens. Donc ça peut être très basique pour envoyer des photos d'une décharge qui s'est mise en place dans un quartier pour la mairie, mais jusqu'à des actions plus lourdes d'observation du budget électoral, enfin le budget du pays, même d'ailleurs d'une mairie, certaines qui sont engagées, plus de transparence, etc. Donc finalement une autre expérience de la démocratie, mais dans le sens finalement un citoyen plus engagé, plus conscient, et du coup dans une dynamique que finalement même les gouvernants devraient essayer d'engager de manière plus large pour avoir finalement plus de retours sur leurs actions et voir où on devrait aller. Je pense que les défis sont multiples. Le premier, c'est de maîtriser la technologie, parce que pour proposer une solution, il faudrait déjà pouvoir la développer. Ensuite, c'est son adoption et la compréhension des problèmes auxquels on s'attaque. Et donc, on voit bien là que ça commence à appeler à d'autres compétences, à d'autres acteurs aussi. Donc, il faut arriver à fédérer, à convaincre et à amener une adoption du projet. Ensuite, c'est son adoption auprès du public, ceux qui vont l'utiliser. Donc on a défini un usage, on a les usagers, donc il faut que les usagers viennent dessus. Et en définitive, c'est aussi l'environnement. C'est-à-dire quand je dis l'environnement, c'est notamment quand on parle Civitech, souvent c'est des collectivités, c'est des États auxquels qui ne sont pas habitués à être redevables d'une certaine manière, même en France à certains égards. Et donc il faut rentrer dans cette culture où finalement on n'est pas en train de venir les défier, c'est pas forcément négatif, mais c'est juste pour créer justement cet espace de dialogue pour aller vers du positif et construire ensemble finalement un futur meilleur pour tout le monde.